Salut, maman. Hé, hey, tu sors ce soir? Ouais, je vais chez Anna. T'as encore acheté des fleurs? Ah ben, c'est des anémones. Si on les plante bientôt, on va avoir des belles fleurs en été. Hé, hey, mais c'est mon rouge à lèvres, ça. Oui, je te le rendrai. Ah. Allez, bisous, maman. Je t'aime. Bisous, chérie. Ces douleurs sont récentes? Ça fait à peu près 2 mois. Il faudrait m'opérer, mais il paraît que mon corps supporterait pas. En fait, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Ce nouveau traitement devrait apaiser les symptômes. J'espère. Je suis contente en tout cas de pouvoir suivre le traitement à la maison. Le mois dernier, j'ai fait une jaunisse et j'ai passé quelques semaines à l'hôpital. Pour Mallory, ma fille, c'était compliqué de gérer ça toute seule. Surtout que je lui en ai pas parlé, j'arrive pas à lui dire. Il faut la préparer. Hein. J'essaie. C'est surtout vous lui dites. Bonjour. Je m'appelle Chloé. Je suis l'infirmière qui s'occupera de votre maman pendant la durée de son traitement. Bonsoir. Tu te souviens, je t'en ai parlé. Comme je vais faire le traitement à la maison, ça va éviter de faire des allers-retours à l'hôpital, ce qui me fatiguait beaucoup. Et vous serez là tous les jours? Non, je viendrai une fois par semaine. D'accord. Au revoir, Madame Bartus, à la semaine prochaine. Vous avez mon numéro, hein. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème. Merci, Chloé. Et passez une bonne journée. Ça a été les cours? Mmh. Tu viens avec moi jardiner? Non, je sais pas. Oh, viens. Je préfère être avec toi. Mais je comprends pas, je peux pas le faire, moi, ce qu'elle fait. Ça a pas l'air si compliqué. Hein. Elle a l'air cruche, en plus. En grec, anémone, ça veut dire fille du vent. Tiens, remets un peu de terreau. Et dans la mythologie, elle a été transformée en fleur par jalousie. Et anémone, c'est aussi un symbole de persévérance. Allô? Oui, toi? Non, non, je fais rien. Ah bah ouais, carrément. Cool. Bonjour. Bonjour, Mallory. Bonjour. T'as vu ça, Mallory? Ce que Chloé nous a offert, cette magnifique orchidée. Encore une plante? On en avait déjà bien assez. Ah non, on n'en a pas des comme ça. Tu trouves pas ça joli? Ouf. Moi, j'ai toujours trouvé ça moche, les orchidées. Bon. Je vais vous raccompagner. Au revoir, Mallory. À la semaine prochaine. Mmh. Et si vous avez encore des nausées, je vous apporterai ces compléments alimentaires qui devraient arranger ça. Ok. À bientôt. Merci, à la semaine prochaine. Oui. Mallory, arrête d'être dure comme ça. Moi, j'ai besoin de Chloé. Tu peux l'essayer si tu veux. Ah, trop belle. Je l'avais mise pour un de tes anniversaires. Ah, je me souviens. Avec ton père, on t'avait fait un gâteau énorme. Délicieux. Tu nous as rejoint, tu dansais, tu faisais la folle. Tu te rappelles? Mais ouais, t'essayes de m'apprendre le rock. On a dansé. Jamais dansé, je me souviens de toi. Je suis... Ça va, maman?
mon nom? Tu veux un verre d'eau? Non, ça va, merci. Bah, tu réponds pas? Non, c'est Anna, elle veut qu'on sorte ce soir, j'ai pas envie. Mais sors. Tu sais, c'est bon, là. Moi, je suis juste fatiguée, faut que je me repose, mais tu peux sortir. Non, mais... Bah non, j'ai envie de rester avec toi. C'est gentil. Ça va aller. Alors, dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Allez, par chocolat, s'il vous plaît. Oui. Pas mal pour une débutante, hein? Bon, débutante, tu rigoles, c'est toi qui as tout fait toute seule. Tu vas voir, je vais t'apprendre plein de petits plats. Oh, Chloé. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Ouais. Bonjour, Valérie. Bonjour. Ça sent bon dans cette cuisine. Oh, et en plus, ça a l'air délicieux. Tu lui en coupes une petite part? C'est des azalées. Ouais. Oh, c'est des ouais. Fleurs, j'aime beaucoup magnifique. Les feuilles aussi. Ouais. Puis avec ce soleil, c'est incroyable comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas besoin d'aide, hein, je sais changer des draps. Alors, laisse-moi t'aider un peu, s'il te plaît. Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de vous. Vous êtes là, partout, tout le temps. Vous apportez des fleurs, vous mangez les gâteaux de ma mère. Mais on s'en sortait très bien avant que vous arriviez, hein. On n'a pas besoin de vous. Je fais que mon travail, tu sais, hein. Eh ben non, justement. Vous, vous êtes là pour le traitement de ma mère, rien de plus. Ça, c'est à moi de le faire. Malorie, laisse-moi t'aider. Je suis là pour toi aussi. Je comprends ta colère. Non, vous comprenez pas, vous comprenez rien du tout. Je vois très bien votre petit rapprochement, hein. Alors, je sais que je suis peut-être pas la petite fille parfaite avec les longs cheveux blonds, toujours propre sur elle, qui aime les fleurs, mais j'aime ma mère, je l'aime et... Putain. Malorie, je suis pas ton ennemie, tu sais. T'as compris que l'état de ta mère s'était aggravé. Moi, je peux l'aider pour son traitement. Et je peux t'aider toi aussi à accepter ça. Et te soulager pour que tu puisses profiter un maximum du temps avec ta maman. Pourquoi c'est tombé sur nous? C'est pas juste. Je sais. Allô, Chloé? Oui, on a un gros problème, là. C'est Mallory. Je sais pas quoi faire, là. Elle te va bien, hein? Tu vas faire sortir tes yeux. Je l'avais acheté pour ma première chimio.
J'ai eu un mal fou à la trouver. Ah oui? Ouais. Et tes mains? Les crevasses, comment ça va depuis la dernière fois? Ah, écoute, c'est pas simple pour les petits gestes de la vie quotidienne. Mmh. Heureusement que Mallory est là pour m'aider. Elle m'aide beaucoup. Bonjour Mallory, comment ça va? Ça va. Ça a été tes cours? Ouais, nickel. Je vous laisse, j'ai du boulot. On t'a pas vu arriver. Mmh. Allez, viens nous faire un bisou. Mmh. Oui, ça va. Ça te va bien, cette perruque? Assieds-toi. Je suis là. Bonjour. Je voulais savoir comment t'allais et si tu voulais que je t'accompagne aujourd'hui. J'ai rien pour m'habiller. Je peux pas y aller si j'ai rien pour m'habiller. Ouais, ça c'est sûr. Mais on va trouver quelque chose, d'accord? C'est pour lui faire honneur, tu comprends? Ouais, je comprends. On va regarder ici, je suis sûre qu'on va trouver quelque chose de noir.